Nous la pierre à Hamon et à Moussoua. Le sacrifice à la 10 ans par an, il faut que tu es en train de tenir, c'est pas suffisant. Afia Vima, à Tchérabima Moussoua. Cette lamentation mensongère, cette âme de crocodile, cette femme, alors elle a eu encore de l'ignominie. Les gens étaient en train de prier. Mais elle aussi, elle s'adressait à son Dieu. Et le sacrificateur lui a dit des prières. Ce sont des paroles vaines. Mais regardez ce qui est arrivé dans la vie de cette femme. Si quelqu'un entend qui m'en dit Amen, je ne serai pas au-dessus de ton entendement. Amen. Laissez cogner la gomme. Amen. Samuel va dans les bandes. Un Samuel. Et dame, je vais plus de la parole. 2:21. Cette femme, ce qui est arrivé dans sa vie, c'est pour cela que Dieu veut que je te dise que tu es son élu. Si tu es l'élu de Dieu, le mystère programmé par Dieu va se réaliser dans ta vie. Tu dois avoir cette compréhension. Quitter le niveau d'ignominie, t'as déposé. Le fait que tu n'as pas fait ton mais elle qui te poursuit là où tu n'as pas fait cette semaine, elle te prend quitter ce niveau. Amen. Non. Mais c'est quoi le niveau? Amen. Tu as quitté ce niveau. Les 7 semaines. Je m'adresse à vous comme un berger. Pour te dire voici l'ordre de toi. Tu dois m'approcher. Ah!
1 Samuel chapitre 1 verset 3 et 7. Pendant que tu entends, continuer à aller à l'église. Et tu vas y aller tout. Tu vas aller devant la face de Dieu. Quand tu cherches quelque chose,
now. Si Dieu te fait une promesse, le secret. Alors tu dois aller devant la face de Dieu. Tu dois le retirer de tes yeux. Si tu montes, si tu permets d'adorer Dieu, à travers cette promesse, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Si ton temps, tu vois un aigle, ceux qui sont dehors et qui ne le voient plus, je viens de dire que Dieu te voit et tu reçois la prophétie. Alors vous apprenez votre adoration de Dieu. Allez à l'église et la paix de Dieu. Que Dieu te le redonne au nom de Jésus-Christ. Verset 7. Amen. Verset 7. 1 Samuel chapitre 1 verset. Allez à vous, on a si après. Et yes. Godonne, vous voyez, vous appelez là. Et droite, vous n'êtes. Verset 7. Allez, Benin. Allez, ben, vous l'avez affirmé, ayez vos doigts pour nous. Amen. Nomira. Ah non, la femme et son homme. Nova. Faut-il aller devant la face de Dieu? Et puis, c'est vrai qu'on a couru. Chaque année, il a un problème. On couru à mettre des choses dans le corps. Mais le problème ne l'a pas retiré de Dieu. Tout est bien. Le problème ne l'a pas retiré. Il y a eu trois mondes hier. Alors, à la fin de la maison, les gens vont devant la face de Dieu. Alors, quand tu ne dois pas te faire. Parce qu'elle savait. Il me manque pour toi. Je bénis ce peuple et je bénis notre nation. Alors nous ne devons pas se détourner de Dieu. Nous allons adorer Dieu. Et c'est lui qui répond aux problèmes. Alors elle se lamentait. Elle a une ligne de vie. Mais elle ne s'est jamais détournée de Dieu. Tu ne dois pas te détourner de Dieu. C'est ça le pouvoir que tu as sur Satan. Alors tu domines les complots. Parce que quand tu es toujours attaché à Dieu, alors un jour il va dire quel est le plaisir de cet enfant. Si tu m'entends, dis-moi amen. Si tu m'entends cette nuit, amen, je vais l'adorer que jusqu'à la fin de mes jours. Trouve la promesse faite de ma vie. Qu'elle arrête dans ma vie. Amen. Si tu m'entends, dis-moi amen. Si tu m'entends. Tu dois rendre grâce à Dieu pour cette bienfaits. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pleurer.
tu 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 n'as compris, si tu es un homme, 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 tu es quelqu'un peut savoir prier. Mais si tu connais les principes de Dieu, la belle Dieu la présence plus que la personne qui prie jour et nuit. Si tu m'entends, si tu as des chèvres, ok. Je les prie. Regarde, Jésus, welcome. Je vais les prier au nom de Jésus Christ. Amen. Si tu m'entends, Samuel 5, verset 1, verset 5 et 8. Parce que quand je lisais la Bible, on posait la question à quelqu'un.